Voilà notre ami kidnappé. Libérez-le et renvoyez-le vers la planque. Merveilleux. Oh, Dieu merci. Ça va ? Oh, je suis dans un état. J'empeste la transpiration que l'on dirait des griffes. J'ai besoin d'une thalasso. Génial. Enchanté. Splendide. Dès qu'il sera de retour, je veillerai à lui fournir un joli slip tout propre. À présent, envoyons quelqu'un à Trafalgar Square. Je suis d'accord. Il est temps d'en finir. London Calling, London est en ligne. Vous écoutez les flibustiers, là où on entend tout ce qu'on n'ose pas dire. Moi, c'est Ash. Et aujourd'hui, on va vous parler des services d'information et de réponse aux signaux, plus connus sous l'acronyme SIRS. Et pourquoi pas, après tout? Ils nous écoutent de toute façon. Alors, autant qu'ils écoutent ça. D'ailleurs, ils savent sûrement... Vous êtes en train de nous écouter, mais pas d'inquiétude. On ne dira rien de mal sur cette organisation d'espionnage sans contre-pouvoir, dont la mission est d'étouffer les dissensions et la liberté de parole. On va plutôt chercher à comprendre d'où vient sa puissance. Comme d'habitude, on ne donnera pas le nom ni la localisation de nos invités pour que les SIRS ne viennent pas les embêter. Avant la crise britannique, Yann était un journaliste et podcasteur politique respecté. Vivons-nous désormais dans un monde fasciste ? La réponse est simple. Le fascisme, c'est le contrôle absolu. Cela consiste à lui dire « Rien n'a d'importance dans ta vie d'individu. Tu fais désormais partie d'un tout. Tu fais partie de la nation. Tu trouveras le sens de ta vie en faisant corps avec cette nation. » Mais c'est quoi une nation ? Une nation, ça ne veut rien dire, n'est-ce pas ? La nation s'incarne dans le leader qui prend tout en charge et affirme qu'il comprend l'âme du pays, l'âme de son peuple. En réalité, c'est un énorme mensonge. Car il n'est pas plus personne. Emma Child veut vous parler. C'est bon, je vous vois. On récapitule le plan. Le Canada m'a offert un bureau de l'autre côté du square, que je puisse garder un œil sur vous. Que Dieu bénisse le Commonwealth. Alors, voilà ce qu'il va se passer. Il y a 4 snipers couvrant la zone. Ici, ici, ici et là. Votre mission est de localiser Malik. Lorsque vous l'aurez trouvé, grattez-vous le sourcil. C'est pour confirmer la cible. Puis comptez jusqu'à 2 et plongez au sol. Et qu'est-ce qui t'empêcherait de me coller une balle à moi aussi ? J'ai vu de quoi ta bande était capable quand on lui marchait sur les pieds. Si vous ne m'embrouillez pas, je ne vous embrouille pas non plus. Ça te va comme ça ? Ben oui, pourquoi pas ?
Équipe de choc au rapport. Aucun signe de Malik. Ligne de mire dégagée sur cette ordure de DedSec. Ne me tentez pas. Merde. Où il est passé? Je le sens vraiment pas. Moi non plus, j'aime pas ça. Merde. J'ai pas de terminal filament sous la main. Je vais devoir en réclamer un. Patience, ça va être un peu long. Bags, tu veux bien m'aider? Oh, si seulement chaque habitant de Londres était forcé de porter un équipement de surveillance high-tech. Allez pirater des optiques pour voir si l'un d'eux a repéré la trace de Malik. Ça marche. Je vais examiner la mémoire de sa caméra piéton pour voir si j'ai des images de Malik. C'est lui, à côté de la poubelle. Soit il est en train d'installer une boîte morte, soit il veut manger pour pas cher. Il se passe quoi, là? Merde. Je crois que Malik fait sa lessive. C'est une technique pour semer ses poursuivants. Si c'est bien ça, cette boîte contient certainement un deuxième point de rendez-vous. Tu crois qu'il nous a grillés? Je ne pense pas. S'il se sentait menacé, il se serait déjà envolé. Je mets nos tireurs en attente le temps d'y voir plus clair. Extraction des données? Non, rien. Essayez quelqu'un d'autre. Je ne vois aucune vidéo ni aucune photo pertinente. Continuez. Qu'est-ce qui se passe? Tu croyais vraiment que j'allais me laisser berner par ce connard de Nigel Cass? Eh bien, j'ai fait en sorte qu'il enregistre cet entretien. Et figure-toi que j'ai aussi fait en sorte qu'Emma tombe dessus. Et maintenant, les forces de l'ordre ont tous les profils de ta bande. Alors si tu veux rester en vie, couche-toi et mets les mains sur la tête. Faudra d'abord m'attraper, enfoiré. Non, on s'est mal compris. C'est juste pour éviter les projections. Fesses un moment, j'imagine. Jusqu'à ce que vous les semiez. Ah, ce bon Dagli, toujours les mots qu'il faut. Reste pas là, on se casse. Merde, ils ont fait sauter Chain. Oublie, on se tape. On se lance après la cible.
règle est prônée. Centrale, on a un visuel de l'individu suspect. Unité, préparez-vous à arrêter le véhicule. On fonce dans le véhicule, à vous. Je suis recherché, là. En plus, j'ai vraiment rien fait, c'est toi. Oui, j'ai le même problème. Bagley, qu'est-ce qui se passe? Je dirais que Malik ne bluffait pas. Nous faisons bien la une des journaux et il n'y a pas de quoi se vanter. Hein? Tu déconnes? Bon, rassemble tout le monde à la planque pour un débrief. Pilotage automatique activé. J'ai une recrue potentielle pour vous. Je vais vous la marquer sur la carte.